This is How's Up Stories, and today we are with Kevin, the guy that is doing a world tour with his bike. Check that out. Je m'appelle Kevin Brault, j'ai 24 ans, je suis originaire de Fougères. Depuis tout petit, je suis passionné par le sport et le voyage. Du coup, je vais partir pour un tour du monde à vélo. Je pars pour 5 ans. Donc au total, ça représente 70 000 km. Je devrais traverser 77 pays sur 5 continents différents. En 2016, je suis parti de chez moi pour une première aventure. J'ai réalisé un Tour de France en marchant. Du coup, c'était 2600 km sur 80 jours. Donc c'était pour partir à la découverte de la France et de moi-même. L'année suivante, je suis reparti encore une fois à l'aventure pour un nouveau Tour de France. Cette fois-ci, c'était un Tour de France en course à pied. Donc je courais environ un marathon par jour. Du coup, j'ai longé toutes les frontières françaises. J'ai parcouru 5000 km en 115 jours. Et c'était vraiment des expériences vraiment enrichissantes et c'est ce qui me plaît vraiment. C'est pour ça que j'ai décidé de repartir. Cette fois-ci, je vais aller à la découverte du monde. Ça fait un an et demi que je prépare ce projet. J'ai dû me préparer matériellement, physiquement aussi. J'ai dû mettre de l'argent de côté pour partir sur 5 ans. Ensuite, j'ai dû m'équiper matériellement car mon vélo, ça va être ma maison pendant les 5 prochaines années. Du coup, j'ai dû acheter une tente, acheter de quoi me faire à manger. J'ai aussi dû réaliser des vaccins car pour certains pays, on ne peut pas accéder à certains pays sans vaccin et même pour la sécurité, c'est quand même mieux. Alors je vais commencer par l'Europe. Dans un premier temps, je réaliserai un tour du Royaume-Uni. Ensuite, je monterai vers les pays du Nord, donc jusqu'à la Norvège. Ensuite, je redescendrai par le centre de l'Europe pour rejoindre la Turquie. Une fois en Turquie, j'irai jusqu'en Indonésie, en passant par le Kazakhstan, la Chine, le Vietnam. Une fois en Indonésie, je prendrai un bateau pour rejoindre l'Australie. Ensuite, une fois en Australie, j'irai en Nouvelle-Zélande. Après la Nouvelle-Zélande, ça sera le Canada, les États-Unis jusqu'au Chili. Du coup, je vais longer toute la côte ouest américaine jusqu'au Chili. Une fois au Chili, je prendrai à nouveau un bateau pour rejoindre l'Afrique du Sud. Et une fois en Afrique du Sud, je vais remonter la côte ouest africaine pour revenir en Europe. Du coup, je pars sur 5 ans. Donc, ça fait à peu près un an par continent. Pour dormir, j'ai acheté une tente qui va me permettre de pouvoir bivouaquer un peu partout dans le monde. J'ai ma tente si je ne trouve pas d'hébergement. Après, le but aussi de ce voyage, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'aller vers les autres. Du coup, des fois, je vais essayer de dormir chez des habitants, enfin, en fonction des rencontres. C'est vrai que ça, c'est une préoccupation, car je pars avec un budget quand même assez restreint. Du coup, j'ai un budget de 5 euros par jour, qui ira totalement dans la nourriture. Je vais réaliser une centaine de kilomètres par jour. Ce qui fait que je vais brûler en moyenne 5000 calories par jour. Je mangerai souvent des pâtes et après je verrai en fonction de ce que je trouve sur la route, mais sinon ça va être beaucoup de pâtes, je pense. Pourquoi le vélo? Déjà, j'aime le sport. Du coup, c'est vraiment un moyen qui me permet de faire du sport. Ensuite, c'est vraiment le meilleur moyen à mes yeux pour voyager car c'est la marche, c'est lent, la voiture, ça va trop vite, c'est entre deux quoi. Du coup, ça va suffisamment vite pour faire de longues étapes, mais ça va aussi suffisamment lentement pour pouvoir apprécier le paysage, faire des rencontres. De plus, c'est pas cher, donc c'est vrai que là, j'ai mis quand même un budget assez important pour ce vélo, mais je n'ai plus rien à payer, il n'y a pas d'essence, pas d'assurance, du coup, je n'ai plus rien à payer. Je vois le vélo comme un moyen de transport, du coup je ne suis pas fan forcément de vélo, mais c'est plus quand même un moyen de transport. L'envie de voyage, c'est vrai, elle est en moi depuis longtemps et j'ai toujours eu cette envie de partir à l'aventure, pas forcément le voyage, mais partir à l'aventure, même si c'est sur 2-3 jours par exemple. C'est cette envie d'aventure, c'est vraiment ça qui me manque, c'est pour ça que je ne reste pas ici, que je ne veux pas réaliser le tour du monde. Du coup c'est vivre au jour le jour, vivre vraiment. Ne pas savoir où je vais dormir le soir, faire des rencontres improbables. C'est vraiment
le goût de l'aventure, de l'inconnu. Et c'est vraiment ce qui me pousse à partir et à réaliser ce tour du monde. Donc Fougères, c'est une très belle ville, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a un beau château, c'est une ville où il y a très souvent du soleil, une bonne ambiance, c'est convivial, c'est une ville, comment dire, familiale. C'est pas trop peuplé, mais c'est une ville où on a à peu près tout. Partir faire un tour du monde, c'est assez compliqué, il y a pas mal de choses à gérer, du coup il faut être bien entouré et je tenais à remercier ma famille qui m'ont toujours soutenu dans tous les projets que j'ai entrepris. Et là encore une fois, pour ce tour du monde à vélo, ils m'ont soutenu moralement, ils m'ont aidé financièrement, ils m'ont aussi aidé à construire ce projet. Donc ma famille, c'est vraiment c'est la base et du coup je tenais vraiment à les remercier. Ensuite, il y a mes amis aussi qui m'ont toujours soutenu. Il y a aussi mon ancienne entreprise, les Éditions du Chocolat, qui m'ont toujours proposé du travail entre mes tours de France et même ici, là, jusqu'à mon tour du monde. Il y a ensuite Ubac, une marque de chaussures françaises, qui m'ont contacté, qui ont trouvé mon projet intéressant. On a un partenariat ensemble, ils m'ont envoyé des chaussures. C'est vraiment super sympa, ça m'a vraiment fait plaisir. Je tiens à remercier aussi la ville de Fougères qui m'a soutenu financièrement. Et je tenais aussi à remercier toutes les écoles, toutes les associations qui vont me suivre pendant ce tour du monde, tous les éducateurs qui m'ont permis de partager mon projet avec tous ces jeunes. Donc merci beaucoup à tout le monde.